Petite pomme, aujourd'hui on va partir à la visite de l'île d'une de mes amies qui s'appelle Joli Nuage. Et elle a une île qui est appelée Spéron et elle a un thème d'île complètement différent du mien. Elle a un style très nature avec beaucoup de fleurs, beaucoup de cultures de différentes plantes et on va aller la découvrir tout de suite. Donc nous voici arrivés sur la vue aérienne, on voit déjà qu'il y a un immense verger avec tous les fruits. Donc ça prend déjà une bonne partie de son île et je trouve ça super sympa. Ensuite on aperçoit aussi la mairie avec quelques-uns de ses habitants. Donc nous voici arrivés à Spéron. Je suis trop contente d'être arrivée et de vous montrer cette île. On va tout d'abord faire un petit point sur la carte de son île pour découvrir ensemble les aménagements et les habitants qui sont présents sur cette île. Donc il y a tout d'abord notre habitante Joli Nuage, Coroco, Patty, Abraham, Odile, Ketchup, Chef, Nadine, Marilou, Pierrot, Didi et Boubou. Et ensuite au niveau des bâtiments officiels, on a l'aéroport, le camping, le musée, l'atelier de couture des sœurs des doigts de fée, le magasin et le bureau des résidents ou la mairie. Je vous mettrai le code onirique dans la barre de description comme d'habitude. Allez, on part pour la visite. Donc on arrive tout d'abord avec une petite arche sur le thème d'Halloween. Ensuite, on a la place de la mairie qui est bien aménagée autour. Elle a été clôturée, elle a quelques décorations champignons autour de la mairie, c'est super sympa. Donc là, on part en bas à droite de l'île et on a la boutique Nook avec, comme je vous ai prévenu, une décoration très nature avec différents types de sols, des petites fleurs et un petit bonhomme de neige. Ensuite, on a un petit coin pour se restaurer style table de pique-nique avec une petite bûche trop jolie de Noël. Et on voit en fond notre atelier de couture. Donc aussi, c'est super sympa d'avoir mis un set de tissage à côté de la boutique des doigts de fée. Ici on a un petit potager avec quelques citrouilles. Et là une petite île à gauche en forme de spirale. Et pareil, on retrouve différentes cultures. Là on a des cultures de champignons. Et j'adore l'aménagement et le tonneau et la bouteille avec le bateau. Ensuite, ici, on a un petit coin lecture et après, on arrive à la maison de Joli Nuage. Et voilà la maison! Donc la première pièce, c'est une salle à manger très chaleureuse avec les meubles de la fête du partage. Donc vraiment, c'est super sympa d'avoir utilisé ces meubles pour la déco. C'est une ambiance très chaleureuse. Et voilà pour la première pièce. Ensuite, la deuxième pièce. On arrive à la cuisine qui a été super bien aménagée. Le sol, c'est très original pour un sol de cuisine avec toutes ces couleurs, c'est très sympa. Et les briques au mur, c'est trop joli aussi, les couleurs vont bien ensemble. Ensuite, on arrive dans le salon, un salon très coquet. Je trouve ça super sympa l'idée d'avoir mis un grand nounours comme ça au milieu du salon. Je trouve ça trop sympa. Et j'adore le tapis là avec la carte du monde. Vraiment,
Je trouve qu'il va super bien à l'ambiance et j'ai pas ce tapis et je le trouve trop joli. Et avec la petite valise qu'on avait eue lors d'un événement également, tous les objets vont très bien ensemble. Et aussi le papier peint est trop mignon avec les petits cœurs. Ensuite, on va aller visiter la pièce du fond. Et la pièce du fond, il s'agit de la chambre. Et la chambre, du coup, elle est faite avec plein de meubles en bois. Une ambiance très zen. Avec aussi le mur qui va parfaitement avec les meubles en bois. Là, ce mur aux couleurs assez pâles avec le puzzle. Et on a quand même une ambiance aussi nature avec le tapis pomme et la boîte à malice pêche. Donc voilà pour ces différentes pièces de la maison. Donc il manque encore à faire l'aménagement pour de la pièce du haut et la pièce du bas. Mais honnêtement, cette première partie de maison est super sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Après, on va aller voir le petit coin qu'il y a à côté de sa maison, un petit coin lecture avec des petits canapés en bois personnalisés. Ils sont trop mignons. Et on a différents aménagements. Je trouve qu'il y a un petit peu un mélange de tous les styles avec différents objets, là, différentes plantes, différentes fleurs, des meubles qui viennent un peu de tous les styles. Ensuite, nous allons visiter la première maison d'un des habitants et il s'agit de celle de Didi. Donc Didi, c'est cette petite biche de couleur rose et elle a une maison très zen dans l'esprit d'un spa. Et j'adore cette ambiance, vraiment, elle est trop mignonne cette habitante. Et sa maison, elle est super jolie, très girly. Ensuite, on va poursuivre la visite. Donc vous voyez, il y a vraiment des fleurs partout de toutes les couleurs et de tous les styles. J'adore ce mélange. Et là, on arrive au musée. Et pareil, le musée, il a été décoré de façon très mignonne et avec plein de petits fossiles là parsemés dans la nature. Je trouve ça trop sympa. Il y a aussi le sphinx qui va super bien dans ce décor-là. Et vous voyez aussi au sol, on a différents sols personnalisés qui sont vraiment trop jolis. Et je trouve que même dans cette ambiance là aussi, vous voyez, il y a quelques meubles champignons et quelques citrouilles, ça va super bien également dans ce décor. Donc voilà pour l'aménagement autour du musée et regardez par où on va passer, on va prendre un petit passage secret à côté du musée. C'est parti, touloulouloulou. Donc là, on arrive dans des zones qui n'ont pas encore été aménagées, mais qui sont super bien pour pouvoir voir les différentes améliorations dans le futur. Et là, on arrive dans un petit coin pour faire son linge, avec la petite corde à linge et le petit baquet à lessive. Ensuite, on repasse par le petit passage secret à côté du musée. Poursuivre la visite. Ensuite, notre visite se poursuit au marché des plantes avec le petit panneau personnalisé et marqué market dessus. Et on retrouve plein de petites plantes. Je trouve ça trop sympa l'idée des stands avec des plantes à vendre. C'est trop mignon. Donc voilà, on a les différentes plantes disponibles dans le jeu qui sont à la vente ici, dans ce petit marché. Donc ensuite, ici également, on a quelques cultures de champignons. Et on arrive au marché des créatures. Donc là, c'est le petit marché où on peut acheter des créatures marines, des insectes et des poissons. Ensuite, on a vu Monsieur Boubou qui passait dans le coin.
ici plein de petits canards. Et ici, il y a la maison de Chef. Donc Chef n'est pas dans sa maison, c'est dommage. Ensuite, ici, on a une autre maison d'un habitant qui est celle de Boubou. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime beaucoup sur cette île, c'est le mélange de toutes les fleurs, là, un peu partout. C'est vraiment trop joli. Et vous voyez aussi les petites cascades comme celle-ci, là. C'est vraiment trop sympa. Et là, on arrive au camping avec le super panneau et marque camping qui est trop joli. Donc là, on repart. On va aller visiter une autre partie de l'île. Et comme je vous l'ai présenté sur la vue aérienne, on arrive ici sur le verger. Donc le verger, c'est une idée qui est plutôt sympa à faire sur l'île avec, vous voyez, au fond de chaque rangée d'arbres, des petits panneaux personnalisés pour présenter les différents fruits. Ça prend de la place sur l'île, mais vraiment, je trouve ça super sympa d'avoir un verger avec tous les arbres fruitiers regroupés à un seul endroit. Je trouve que c'est une idée vraiment très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc ici, on repasse par la place et on va parler à quelques habitants. Donc il y a par exemple Odile qui est vraiment trop mignonne avec son petit cœur sur la tête. Ici, on redécouvre aussi quelques plantations de citrouilles. On va prendre un petit pont et on arrive dans un tout nouveau quartier qu'on n'a pas encore découvert dans la vidéo. Et ici, on a un petit accès à la plage. Donc les plages n'ont pas été encore très aménagées, mais il y a quand même quelques palmiers, c'est sympathique. Et là, on arrive au coin qui est plutôt un coin fermier avec la culture de fleurs, la culture de citrouilles. Et le silo, il va parfaitement dans cette ambiance avec les ruches aussi. Et vous voyez la citrouille là, avec la botte de paille, ça fait vraiment une ambiance ferme. Et vous voyez aussi, pour vous donner des idées aussi, si vous voulez souhaiter faire votre coin ferme, d'utiliser des clôtures barbelées comme ça, ça rajoute aussi un cachet pour avoir une ambiance ferme. Ensuite, on prend un autre pont et on arrive dans un quartier plus résidentiel, donc avec la maison d'Odile, un petit banc qui sépare les deux maisons et ensuite la maison de Ketchup. On va visiter tout de suite la maison de Ketchup. Et voilà la maison de Ketchup, le petit canard. Donc c'est une ambiance assez naturelle avec le lierre et le sol en pelouse. Et après, c'est plutôt une ambiance camping avec le four en pierre, la table en bois et le set de pique-nique. Donc voilà pour ce petit quartier résidentiel. On va remonter dans les hauteurs. Donc vous voyez avec pareil les tonneaux aussi qui servent d'aménagement à différents endroits de l'île. Et c'est une trop bonne idée. Ici on a la maison de notre habitant et il s'agit de Marie-Lou. Donc Marie-Lou, c'est cette petite louve très bleue. Elle a également une maison sur les tentes bleues avec le papier peint avec les petits cœurs qui est vraiment très mignon. Et des meubles dans le style bois qui sont sympathiques. Donc voilà, Marie-Lou, elle est trop gentille hein, comme habitante. Ensuite, ici, on arrive dans un petit coin de forêt, un petit coin très nature avec la table de pique-nique. C'est vraiment très joli, les sols, le sol également. Donc voilà, un petit coin pour se poser, pour pique-niquer au milieu de la nature.
pendant ce petit coin nature, on va poursuivre la visite. Donc là, on a différents petits types de sols. Et là, on arrive dans un coin style bibliothèque. Donc pour pouvoir se poser pour lire un livre. Ce coin, ça va très bien aussi avec la toile de Runar, là, la Joconde. Donc c'est très mignon ce petit coin lecture. Ensuite, ici, on a la maison de Nadine. Donc Nadine, c'est un lapin très coloré. Mais elle n'est pas présente dans sa maison, donc on va continuer la visite. Ici, on a une petite balancelle. Et vous pouvez remarquer aussi le travail qui a été fait pour faire de jolies cascades un peu partout sur l'île. Ici sur les hauteurs, on a un petit coin nature avec la maison de Pierrot. Donc Pierrot lui cultive des citrouilles et il a aussi quelques ruches, c'est un petit apiculteur sur cette île. Donc voilà, ici on passe par des coins un peu plus nature et on a ici la maison d'Abraham. Et il est dans sa maison, donc je vais pouvoir vous présenter la maison d'Abraham. Donc voici la maison d'Abraham. Donc elle est vraiment dans le thème de la montagne. Je trouve que ça lui va très bien à ce personnage d'avoir une maison dans le thème de la montagne, avec également les meubles glace qu'on a en ce moment avec les flocons de neige fournis par les Yetiti. Donc voilà, partout des fleurs, des sols personnalisés qui font vraiment très naturel. Vraiment, c'est trop sympa l'aménagement. Et ici, on va visiter la maison de Patty. Donc Patty, la petite rhinocéros qui a une fraise pour corne. Et elle est plutôt sur le thème de la pâtisserie. Elle a une maison très fille, très rose, avec aussi de quoi faire des bonnes pâtisseries. C'est trop joli sa maison et la bisonte est très sympa. Donc voilà pour la maison de Patty. Ici, on a un coin aménagé pour la suite avec les nouveautés qui vont arriver dans les prochaines mises à jour. Et là, on arrive à la plage de Monsieur Runar. Et vous voyez, j'adore l'idée aussi du tonneau avec le panier de fruits, là, ça rend super bien. Donc voilà la plage de Monsieur Runar. C'est vraiment très joli là, le début de l'aménagement avec la petite pancarte personnalisée à son effigie. Et ensuite, on va aller voir sa plage également. Voici du coup l'aménagement de la petite plage où il peut accoster. Et je trouve ça trop bien aménagé avec, vous voyez, une fleur, des petits barils, un fossile et un drapeau. Ainsi que les flambeaux, ça lui va très bien comme un aménagement pour ce personnage. Ensuite, on reprend un petit passage secret par ici. Et un autre passage secret pour arriver sur les plages de l'île. Donc voilà, on arrive sur la plage. Et la plage, on va voir une petite zone avec de quoi pêcher, des cannes à pêche et le phare qui est rayé bleu et blanc. C'est super joli.
cet aménagement. Et voyez aussi le sol devant le phare. En rond, là, c'est très sympa. Ici, on a le coin ferme à droite que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on a une petite tente sur le ponton, c'est sympa pour pouvoir faire du camping sur le ponton. Donc voilà pour l'aménagement des plages. Cette visite, elle est maintenant terminée. On va croiser Nadine là juste avant de rentrer. Vous pouvez observer encore quelques vues de l'île avec les différents aménagements très fleuris. Et voilà, la visite de l'île est terminée. J'étais super contente de découvrir cette île. Dites-moi en commentaire les parties et les aménagements qui vous ont le plus plu. Et je vous dis